Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la Fierté Montréal, un festival pour la communauté LGBT. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a la musique qui est pas loin. On arrive sur le boulevard René Lévesque, là où va y avoir le fameux défilé. Ça clôture aujourd'hui, donc on va voir tout ça, je vais vous faire profiter. Allez, à tout à l'heure. Bonne musique hindoue.
Oui, en fait, je suis rentré chez moi et je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire des choses vraiment très importantes. Donc voilà, je me suis douché, je me suis changé. J'avais envie de dire que voir cet événement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir vraiment toutes ces personnes qui sont là en train de sourire, voir différentes orientations sexuelles. C'est des choses qu'on voit pas tous les jours ou qu'en fait les gens se cachent de tout ça. C'est vraiment un sujet vraiment très tabou et c'est vraiment triste. Voilà, avoir tout ce respect, voir pendant une journée, voir toutes ces couleurs, tout ce défilé, j'étais vraiment étonné de voir autant de, comment je pourrais appeler ça, des associations ou des groupes de spécialisés dans ce domaine, que ce soit pour toutes les orientations sexuelles, pardon, c'était vraiment impressionnant, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ça prouve à quel point les gens, pas seulement moi, ne sont pas assez, comment dire, assez renseignés sur ce sujet. Donc voilà, voir tout ça, c'était vraiment super bien. Malheureusement, on sait très bien que c'est un sujet vraiment délicat. Beaucoup de personnes sont encore victimes, que ce soit des agressions verbales ou physiques, pas seulement au Canada, partout dans le monde, et c'est vraiment malheureux. Bon, forcément, c'est pas le seul problème de ce monde, il y en a bien d'autres, mais bon, si on pourrait avoir le choix de vivre comme on veut, ce serait vraiment quelque chose d'un grand pas pour tout le monde, je pense, mais bon, même ça, c'est interdit à certaines personnes et c'est vraiment malheureux. Enfin bon. Voilà, c'était vraiment, je voulais dire ça, ça peut paraître bête ou pour faire croire que j'ai une pensée positive ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment mon état d'esprit, je suis comme ça. Moi, il faut savoir que je me prends pas la tête, je suis quelqu'un d'assez simple, je respecte tout le monde, tout le monde. Chaque personne a le droit de faire des erreurs, d'être comme il veut, voilà, tout le monde a des côtés positifs et négatifs. Moi, je respecte ça. Voilà, je tenais à dire ça. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas tout mettre parce qu'il y avait énormément de contenu. Le défilé, ça a duré bien. Quoi, ça a duré 3 heures, 4 heures, voire même plus. Et en plus, je suis même pas allé sur la rue principale devant le métro Berwick-Am. J'essaierai de vous retrouver le nom et de vous le mettre au montage. Et apparemment, il y avait des stands, il y avait des. Je suis même pas allé là. Moi, je suis vraiment allé sur le défilé directement. J'ai vu tous les chars défiler, toutes les associations passer, je pense que ça s'appelle des associations même ici. Voilà, donc c'était vraiment une super journée. Franchement, si vous avez l'occasion de la faire, que ce soit à Montréal ou ailleurs, hein, faites-la. Vous montrez que vous êtes là, que vous les soutenez, et je pense que c'est important pour eux de voir autant de monde pendant leur journée, parce que c'est vraiment leur journée, je pense. Ça leur tient à cœur, et je pense que voir autant de monde, ça leur fait vraiment plaisir, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Moi, je sais que j'avais fait celle de Paris à plusieurs reprises. Et je sais que c'est toujours. C'est des choses, on n'est pas habitué et ça nous fait du bien de voir tout ça, voir autant de diversité comme ça, c'est vraiment super plaisant. Je tenais à vous dire aussi une petite surprise, même pour moi. Il faut savoir que jeudi 22 août, c'est mon anniversaire. J'aurai 25 ans. Et en fait, pour l'occasion, j'ai eu le droit à une journée de congé avec mon travail. Donc ça fait que je suis libre de mercredi à dimanche. Je tenais à vous le dire dans cette vidéo, ce sera plus simple pour vous. En fait, de mercredi à dimanche, je pars à Trois-Rivières et à Québec. Je me suis organisé ça pour pas trop cher. Je fais des covoites, des petits Airbnb pas trop chers. Donc voilà, je pense que je vais découvrir Trois-Rivières, vous faire des vidéos sur Trois-Rivières et faire pareil pour Québec. J'espère que ça vous plaira aussi ce contenu qui va arriver sur la chaîne. Un petit contenu voyage, c'est mon premier ici au Canada. Il faut savoir que j'essaie de faire attention à mon argent parce que la vie ici coûte pas très cher, mais les sorties avec les amis, les petites choses à droite et à gauche, ça peut aller vite. Donc voilà, j'essaie quand même de faire attention. Mais là, je me suis dit, 5 jours comme ça, c'est un truc que j'aurai très rarement au travail. Je compte pas rester définitivement là où je suis actuellement, mais pour l'instant, j'essaie quand même de mettre de l'argent de côté parce que j'ai vraiment beaucoup de projets pour la suite. Beaucoup de projets de voyage, vraiment. Et je pense que voilà, Québec, c'est vraiment une ville super jolie. Je me suis énormément renseigné avant de venir ici au Canada. Et Québec faisait partie de mes recherches. Et pas que vraiment le Canada en général. Enfin voilà. Bah voilà. Donc il n'y aura pas de vidéo avant lundi ou mardi de la semaine prochaine. Le temps que je fasse du montage, voire même peut-être le milieu de semaine. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que je pense que je vais vraiment beaucoup filmer. Et comme j'ai pas de PC portable, il faut savoir que j'ai qu'un PC fixe qui est dans ma chambre. Je ne pourrai pas monter et tout ça pendant mon voyage en fait. J'aurais adoré faire ça. J'aurais vraiment adoré. Mais voilà, j'ai pas encore de PC portable ici. Donc voilà, ça sera après mon retour. Malheureusement. Mais bon, je pense que c'est le meilleur choix pour l'instant. Puis voilà, j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de faire au mieux, de voir le plus de choses possible voilà, en respectant
budget, horaire, tout ça, enfin voilà. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour Trois-Rivières et Québec. Et j'espère que vous serez là avec moi. Merci à tous, à bientôt. Tchuss!